Oh, le Magi, ok. Ah, on a fermé, ok. Say, I've been meaning to ask, is there someone else hanging around inside my mind? Pay no attention to me. I'm just that little voice in the back of your head. But don't you worry. I'll be out of your hair soon enough. Don't look now, but your friend Beelzebeth is headed this way. It is my lady, oh! It is my love! Soon we'll be together in loving matrimony! But first, I need to take care of that cash flow problem! You there! The dreaded undead oppressor! I need your help! I have just met the true love of my life, and we are set to be wed today! Our marriage will be beautiful, but there are still errands to be completed before the ceremony! My zombie minions are too brain dead to be of any use, so you will perform these tasks for us! And what's in it for me? Help us, and we won't feast upon your flesh and wear your shredded entrails as neckties! Fair enough. What do I have to do? I require money in order to satisfy my soon-to-be wed wife's insatiable chocolate habit. It would be immoral to take your cash, so we'll earn the funds the good old-fashioned way, through a scam charity. Just ask any yokel you can find in town for donations. Charity money will only get us so far. Bring me a breast pump so that I may make a fortune selling my kosher daddy's milk to the public. There should be one at the local old Coots farm, and be sure to get the kosher model. My teats are sensitive. I plan to spend our honeymoon in our wondrous new home, but the damn air conditioner is broken. Find some AC parts so we can build a new unit. I'm sure you can find at least one part somewhere in this trash heap. Check the insolent humans market to see if any of the dealers has a part for sale. And I've heard those crazies at the loony bin worship one of the pieces. Ransack the place. Finish these tasks, and I promise your head won't end up on a pike. Maybe. Ok. Bon, écoutez, bon, on doit récupérer donc deux morceaux de assez. Je vois pas ce que c'est. Ça doit être un alternateur assez, non? Je sais rien. Bread pump, ok, d'accord, donc ça, voilà. Donc en gros, ce que j'ai compris, il faudrait qu'on s'occupe de sa copine, en gros, ce que j'ai pu comprendre. Mais moi, alors, je sais que pour vous, c'est le début d'un nouvel épisode. Moi, je vais m'arrêter là et voilà, je vais juste m'arrêter là et faire une grosse pause. De toute façon, il est assez tard chez moi. Donc, je reprendrai certainement demain soir, enfin peut-être demain soir. En attendant, ben, je vous montre ces épisodes-là. Certainement aujourd'hui, enfin cette nuit et demain. Voilà, voilà. Allez, donc, ben, à tout de suite pour vous. Bonjour à tous, rebonjour à tous, je suis sincèrement désolé, il s'est passé un problème. J'ai tourné une partie de l'épisode sans pouvoir, en fait, j'avais oublié de brancher mon micro, ce qui faisait que le son était dégueulasse. Donc, je vous explique rapidement ce qui s'est passé. Donc, j'ouvre la map. Donc, j'ai trouvé, évidemment, le premier alternateur, donc, au Junkie World, donc le truc numéro 1 là. Je suis allé jusqu'à l'asile où j'ai récupéré le deuxième. Mais en gros, les fous ont investi l'asile et vous tirent dessus au lance-roquettes. J'en ai chié. Alors dommage que vous ayez pas ça en vidéo, mais je me suis surpris à 4 fois avant de pouvoir passer la zone. Même plus que ça, hein. je suis mort une bonne dizaine de fois en fait. Et donc voilà. Donc ça, voilà. Et donc là, je viens de sortir de l'asile. J'ai récupéré suffisamment de fonds pour en fait débloquer une autre zone qui est donc le Zack Yard. Il faudrait que je demande à cette personne des fonds. En fait, voilà l'idée. On ira la voir en dernière, cette personne.
En attendant, moi je vais aller voir, enfin je vais aller essayer de récupérer avec vous la deuxième partie de l'alternateur. Et je suis désolé bah, pour cette petite un quart d'heure de jeu que vous avez raté, malheureusement. Mais rien de bien grave, c'est juste récupérer deux alternateurs et puis des connards qui vous tirent dessus avec des ciseaux et avec des lance-roquettes. Voilà, et oui, et les têtes de vache qui vous empoisonnent. Parce que ça, je voulais pas montrer, mais il y a les têtes de vache empoisonnent en fait. Et elles créent un nuage toxique autour d'eux. Voilà. Bon, allez, on y retourne. Mais pourquoi? Quoi? Non! J'ai pas de vie! Arrêtez! Arrête, j'ai plus de vie. Pourquoi vous faites ça? J'ai plus de vie. Oh, j'en ai marre. Je suis. Je me suis tiré de là au lance-roquette, mais ah putain, puis j'étais recherché à la sortie de la ville, mais. Oh non, mais c'est chier de me faire ça. Non, je vous déteste là. Honnêtement, je vous déteste. J'ai plus de vie, j'ai plus rien pour me heal. Oh la vache. Allez, donne-moi ça. Excusez-moi pour le craquage psychologique, mais vous auriez vu dans l'asile. J'en ai littéralement chié. T'es avec moi, ok. Donnez-moi de la vie, je vous en supplie, donnez-moi de la vie. J'en peux plus. Je suis à sèche. En fait, on s'en fout. On se fout de la voix à l'intérieur de notre tête. Elle nous parle, hein. C'est elle qui nous a dit d'aller voir Zachard. Mais bon, bah voilà quoi, c'est une seconde personnalité de nous, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus quoi. Un peu plus taré quoi. Alors, je sais qu'il y a des medipacks dans le fond, j'allais les récupérer. Par là, donc les zombies nous attaquent pas parce que Satan nous a confié les missions. Hein. Ah non, il y en a plus, fait chier. C'était censé être là. Bon, tant pis. Ah, on va essayer de faire avec. Donc, c'était sur ce truc. Ah bah non, c'était sur ce truc là qui était le medic kit. Bon tant pis, je sais plus où il est chiant à trouver. Dommage qu'on peut pas non plus se heal avec le temps. Ça serait cool. Mais bon. Voilà, bon. Bon, alors, prochain truc. Ok, je suis sur la bonne voie.
c'est apparemment dans le truc de train. J'espère qu'il n'y a rien là-bas. Parce que je suis relativement mal. Je jure que je scripte l'horizon. J'ai 42 de vie. Ça va mieux qu'à la sortie, mais... Mais quand l'autre, l'autre à la sortie de l'asile, elle vous tire... Elle est sur le point de vous tirer deux roquettes et que... C'est sur le point de vous flinguer. Bon, bah, la pluie est très désagréable dans le jeu. En plus. Donc non, ce jeu finalement est plus... Ah, est marrant au début, quoi. Voilà, quoi. Parce qu'au début, en plus, il y a la nostalgie du film, tout ça, mais... Mais voilà, quoi. Après, après le jeu, est... même en Twizy, est relativement dur, en fait. Enfin, du moins, cette partie du jeu. La partie Paradise Lost... Merde, il y a plus Pipacrac qui va faire qui va me lâcher. Cardiaque. He'll bite my ass. That stuff is addictive. Bon. J'espère trouver des packs de soins pas loin. Là, y a, je l'ai par balle, j'en prendrais bien, mais bon. J'y suis. Bon, je fais F5. Et on est parti. Ah, c'est où? T'as pu vous allez voir en plus c'est que c'est pas là. Là-bas. Non, vous me faites pas ça. Ah non, vous me faites pas saliver là-dessus, hein. Oh les chiens.
Oh, d'accord. Drôle de jouer. Donnez-moi de la vie, donnez-moi de la vie. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Ah mon Dieu. Bon, je suis plus recherché, je suis plus en zone. C'est moi qui ai tué? Buy one, get one. Allez, je préférais payer. And another one bites the dust. Plutôt qu'avoir la merde. Vu l'état de ma vie. Cash for cat. Oh putain, il me faut ça. Hey mister, got any spare pussy? Ah. Anywhere? Thanks. Non, t'es sérieux? T'es sérieux? Il m'a pris les deux chats par contre. Eh ben mec, je reviendrai. Ok, faut récupérer les chats les mecs. Faut absolument récupérer les chats. Ouais, c'est bon, c'est un mec de... Ok. Faut regarder le dos. Pour savoir si... S'ils sont cool ou pas. Alors. Ok. Je me souviens pas de là-bas. Ah ouais, ouais, c'est chiant là-bas. Ok. Ok, ici, y a rien. Et que je dise pas de bêtises. Donc là, faut que je prenne à gauche. Bon, ça risque d'être un petit peu long. On connaît la route. Enfin, oh, il peut se passer des choses. Bon, allez, on va y aller, on va y aller. On a le temps, on a le temps. Au pire, je ferai l'épisode en deux parties. Hein. Déjà que vous avez raté un bon quart d'heure dès le départ, où je galérais comme un porc dans l'asile. Donc, eh ben, c'est tout, hein. Et je suis désolé vraiment d'avoir pourri le son en plus, parce que j'ai vraiment pourri le son sur ce coup-là. Oui, oui. Oh oui. C'est ce que je voulais. Chaton. Chaton, chaton, chaton. Chaton. Ah, je suis un running user ici. Je risque rien. Il est où le chat? Bon, tant pis. Hein. On essaie de choper un chat quand on en voit un, mais on va pas courir après en permanence. Hein. Bon, de toute façon, running user, je dois passer par là. Donc je vais faire les bureaux quand même. Histoire de récupérer un max de choses. Ça notamment.
beaucoup. Ah oui, c'est vrai que c'est Crutchy maintenant qui dispose de l'endroit. Est-ce qu'on peut aller le revoir? Jerken lotion. Ok. Ok, et... Oh la vache, d'accord, ok. Pas cool. Pas cool de m'avoir fait perdre de la vie comme ça. Bon, ok. Pas du tout bon endroit, mais ça fait rien. Si je saute là, ça fait relativement haut quand même. Eh mais. Ok. C'est pas par là. Par là, c'est ça, pas sûr, mais bon, on va essayer. Pas sûr, mais on va essayer. Alors, contrairement à Postal 1, cette partie là, la partie Paradise Lost, je ne la connais pas. Hein. C'est vraiment la première fois que j'y joue, et il pleut encore. Putain de jeu, ça c'est vraiment un ajout de, sur lequel on aurait pu se passer. Hein. La pluie, pire idée de l'année, quoi, je veux dire. Mon instinct me dit plus ou moins par là, alors. Ah! Ouais bon, merci pour le flag YouTube. Hein. Non, franchement, c'est cool cette musique. Un peu fort, mais cool. Ouais, comparé au reste du jeu, elle est un peu forte, mais... Bah, pourquoi tu t'arrêtes? Salut. Ça. Ouais merci. Ok, allez, on se casse. Dommage qu'on puisse pas prendre la guitare, moi j'aurais bien aimé casser. Merci pour les deux chats. C'est gratuit. Ok, apparemment c'est dans le bâtiment là-bas. On va juste... J'ai tout fait cracher. Bon, donc... Le jeu a craché. Donc, bon, ici, il n'y avait rien d'intéressant. On va continuer. Donc, c'est... C'est par là, hein. On va rush. Non, c'est agréable, j'aime bien, moi. Je
Je voudrais voir où sont les chats, par contre. Parce que les chats, ça m'intéresse. Je demande plus d'argent aux gens, hein. Apparemment, on va terminer la mission avec... cette mission-là avec Yan Jar. C'est celle-là ? Je suis dubitatif. Bon, ben on va essayer celle-là. On se tient. De Dieu de sa race. Bon, sa race de chien. Qu'est-ce que... Pourquoi le son de la pluie est aussi fort ici? Ça n'a aucun sens. Ah, ça je prends. Mais pourquoi ce bug? La question, cet aspect de gameplay, enfin, c'est pas celui-là. Ça marche toujours. Non, on ne grille pas les PC ici. Ok, d'accord. Oh, c'est mignon. Encore? Ah non. Il n'y a rien, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Je bug. Je m'accroupis sans appuyer sur contrôle. Je bug. Ou c'est elle qui m'a mis à genoux, j'en sais rien. C'est bizarre. Bon, ça a l'air d'être ça, hein. Ah. Ouh, trois chats. Ouais. OK. Pourquoi dès que je change de pièce, le son de la pluie change? Bon, je comprends pas. Ça a l'air d'être cette grosse maison là. Ok. C'est là d'être ici. Je ne sais absolument pas ce que je dois y faire.
Ça m'a l'air d'être ici. Je regarde, hein, parce que à l'occasion... Salut, copine! Tu viens me filer un coup de main? Oui, love. Crow. Chi. Ah, we love Crotchy. Oh, d'accord, ok. On aime Crotchy. Ok, d'accord. Ouais, bien sûr. Qui n'aime pas Crotchy? Dans les combles. Faut aller dans les combles. Ou pas. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Est-ce que j'y suis là, hein? Non, je joue pas du tout en fait. Ok. Ok, ok. Bon ben... Donc c'était pas là. Je t'en prie. Va faire un bico à ta copine. C'est quoi ça? Ah d'accord. C'était un broche. Merde. C'est à l'arcade, ok d'accord. Bon c'est... Désolé. C'est pas volontaire. Bon c'est pas là non plus. Ah, attendez, je vais juste faire un petit F5. Alors, c'est pas là. Sache les faits, c'est pas là. Bon, retour du flag YouTube, hein, certainement. Je reprends le pognon, merci. Tu peux te pousser, s'il te plaît, je peux pas passer. Oui, merci de poser, t'es très très joli, mais pousse pas. Il n'y avait pas un gilet pare-balles également quelque part. Bon. C'est pas là. Est-ce que ce serait là? Mais non, c'est pas là du tout. Quelque chose m'échappe. Sincèrement, quelque chose m'échappe. Old Man Smith, c'est par là? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ok, d'accord. J'ai raté cette maison. Just down that passageway.
Je sais pas pourquoi je le sens mal. Ok, je... Ok, donc ça là c'est bon. Ok, donc je dois réellement traire les vaches. Don't open Ebola inside. D'accord. Ok. Donc, je peux pas ouvrir ça. Apparemment, il y a des vaches contaminées là-dedans. Il y a d'autres vaches ou... Ah, d'accord. Ok, bon là, non, c'est chiant, c'est nul, c'est même pas drôle là. Il y a quand même moyen de les traire ou pas? Non. J'ai pas compris ce qu'il a dit, hein, mais... Ouais, donc je peux les traire. En fait, je peux les assommer carrément. Bon, je prends ça. Oh putain. Et puis elles font mal en plus. Donc on est en train de traire des vaches zombifiées. Il est peut-être déjà pasteurisé, allez savoir. Cache pas encore des trucs genre kit de soins ou putain. Allez, on est à 77%. Bon, là c'est un peu plus fun résultat. Ok, parce que les trois premières, je me suis dit putain, on va se faire chier. Attendez.
Je vais juste aller voir là-bas. Ok. Heureusement qu'elle est coincée. I suppose that's as good a job as any. Anyhow, a deal's a deal, I reckon. This here oversized breast pump is all yours. Don't have too much fun with it. Now would you kindly get the hell off my lawn? Piece of cake. Bon. Et puis il reste plus que Zagyard. Ben ouais, bon, c'était... Si, si, la deuxième partie était quand même un peu fun. N'importe quoi. Bon. Je me permets de faire le tour. Pour ce genre de choses. Oh! Oh! D'accord, mais avec la tête de vache, moyen. Bon, ben... Je sais pas si je mettrais un peu de censure. Ok. De toute façon, hey, je rappelle que ce jeu est interdit au moins de 16 ans. Bon, je sais qu'on vous empêchera pas, les gamins, mais bon. Les gamins, sans offense, hein, bien sûr, mais bon. Ok, allez. Donc là... là c'est bloqué, c'est ça, c'est bloqué. Allez, hop. On se tire. Je vais juste aller voir dans cette baraque ce qu'il y a. Ok, tu veux jouer à ça? You go, girl. Putain. The gene pool is stagnant, and I am the minister of glory. Et tout ça pour... Mais tout ça pour que dalle en plus. Ok, je viens de voir un truc. Je suis fou, la munition de pompe, on va s'en servir. Juste attendre un peu dans la maison le temps que ma... Possible de pas rien avoir ici. Bon, le gilet pare-balles, déjà c'est ça. Ah, ça, je prends.
Toujours le son désagréable. Je ne sais pas qui est cette femme. Bon. Et par là, j'ai tout pris. Ok, pas de soucis. Allez. Hop, on range le flingue. Et on se tire. Putain, le son est plus désagréable à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon. Je pars dans la mauvaise direction. Par là. Par là. Juste là-bas il y a quelque chose, visiblement non. Allez, hop. On rentre dans le trou. C'est pas ce que je voulais dire. Bon bah il y aura au moins une poupée gonflable dans le jeu. Et déjà ça. Allez. On n'a pas joué pour rien. Ok, je continue vers le sud. Donc bon. C'est par là? C'est par là. C'est par là, c'est par là. Bon bah cette partie sera certainement... Enfin, ce jour sera encore certainement deux parties, hein, vu le temps que ça prend. Ouh, ok. Je ne sais pas par quel putain de miracle c'est possible, mais... Ok, d'accord, c'est fermé ici. Bon, ça va peut-être ouvrir plus tard, j'en sais rien. L'occasion, je me fais chier à aller là-bas. Hein. À l'occasion, j'ai qu'à demander à des gens. Hein. Ma quête, c'est chiant, c'est long, mais ah, puis on est là pour découvrir. Eh, attendez, attendez. Ouais, c'est limite près de là où j'habitais autrefois. Qu'est-ce que... Ok. Alors, juste, voilà, je vais faire un petit F5 parce que le jeu a tendance à cracher rapidement. J'ai rien pour le chien, je préfère éviter. Ah, that's the stuff. Winter Wonderland. Ouais, c'est là-bas. Je rappelle que Paradise est censé être dans un désert. Hein, bon. Et c'est bizarre, mais il y a de la neige. À moins que ce ne soit pas de la neige. À moins que ce soit des cendres, hein, si possible. Comme dans Doctor Who. Dans Doctor Who, à arriver un moment, ils font exploser un vaisseau spatial la nuit de Noël et... Tout le monde pense que c'est de la neige, en fait non, c'est les cendres du vaisseau. Tout de suite moins charmant, enfin bon bref, c'est Doctor Who. Hein. Oh ça j'adore ça. Les lampes à lave comme ça, j'adore ça. J'en ai une et elle ne marche plus. Oh.
Oh, eh ben on va garder ça pour plus tard. Oula, bon. Ils disent en gros d'aller se faire foutre pour la charité. Donc je suis pas sûr de ton astuce, mec. Oh là, génial. Bon, this way. Bon, on connaît, hein. C'est l'ancien commissariat en fait. On a eu une longue mission ici, dans le 1. Enfin dans le 2 quoi. Parce que là en fait c'est un petit peu le 2.5 hein, le jeu auquel on joue. J'espère que ces musiques sont libres de droit. Bon, j'essaye un peu de couvrir avec ma voix, mais c'est vrai que là, je le sens mal, à vrai dire. Niveau YouTube. Ça m'a l'air d'être par là. Ok. Ok. Oh, c'est pas vrai, je me retape toute la discute. Bon, je me prépare à... C'est quoi, c'est... ce truc-là. Oh, c'est pas vrai, je reprends dit. Bon, je vais sauvegarder juste avant. Bon, on se retrouve au combat. Ok, on est reparti.
Ok, j'ai vu de la vie. Oh, quel con! Bon, je vous ressaute l'intro. Mais ça va être chiant. Ok, on est parti. Je suis obligé. Il y en a un qui me tire dessus, j'avais plus que cette devise, alors. Tant pis pour le. Mais il est où le mec qui me tire dessus? Il y a un mec qui me tire dessus, mais je. Ah d'accord. Ça a été juste quand même. Putain, c'est pas possible. And done. Better check on those guys back at the junkyard. I'm sure those cannibalistic zombies will be most appreciative of my efforts. Juste au cas où. M'en douter, il y a un checkpoint. Je vais essayer de ranger, mais... M'en douter. On va devoir broyer des têtes. I suppose I should be wary of this crowd from now on. I sure wouldn't want to upset them further. On s'est mis les roues à dos. I want the ginger. Allez, cinématique. Ceremony. My true love and I will spend our honeymoon in our
house. Hey, that's my home. But who would want to live in my shitty trailer aside from me and my ex-wife? Uh-oh. Did you remember my rocky road? That voice, but it can't be. Oh my God, it's my hateful ex-wife, and she's thin. That's right. I was able to lose the pounds after I left your sorry ass. How dare you come here on this beautiful day? I'll teach you to show your face again. Bitch, this should cost me $50. Oh, putain. Alors, elle est beaucoup plus bonne que celle dans le film, hein. Genre, est-ce qu'elle joue jeu vidéo? Genre, mais elle se la joue Bleach, quoi. Salope. Là, en blonde, mais elle ressemble un peu plus à la femme dans le film. Ok, alors apparemment ils vont nous guider jusqu'à Champ. First day!